dis bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour faire partager mon nouveau cache filtre à air. Voilà, que j'ai acheté tout simplement parce que celui qui m'avait fait le cache Carter en gris carbone, eh bien, nous a quitté. Donc, je lui souhaite une excellente prochaine vie. Et puis, moi, il a fallu que je trouve une solution. À mon problème, hein, pour que ce soit un peu plus cohérent au niveau esthétique, quoi. Donc j'ai choisi ce cache translucide et installé aujourd'hui, hein, ce qui permet de voir le filtre à air, éventuellement voir si l'ensemble est sale de l'extérieur. Mais c'est vrai qu'au demeurant, je suis pas très fan de ce type de pièce, mais là il a bien fallu que je trouve une solution. Donc voilà, c'est pour moi aussi l'occasion de vous faire partager cette pièce. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Alors bon, ça n'a aucune utilité, hein, en soi. Mais bon, pour l'aspect esthétique, et puis parce que j'avais changé le carter, j'ai mis le carter du Forza 350 2023. Voilà, le cache carbone, voilà, il me manque plus en fait le lettrage, hein, Honda blanc réfléchissant. Et j'aurais fini ce côté-là. Voilà, voilà pour les news, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.